votre protecteur céleste essaie de vous communiquer quelque chose d'important. Peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué, mais aujourd'hui est le jour où le fardeau dans votre relation sera allégé. Tapez 2222 pour revendiquer ce changement aujourd'hui. Il y a 3 indicateurs qui peuvent suggérer s'il y a une sorte de malédiction ou de malice affectant votre vie amoureuse ou votre relation. Si correctement identifiés, ces signes peuvent vous aider à discerner s'il y a effectivement une influence négative en action. Si c'est le cas, notre prière d'aujourd'hui a le pouvoir de démanteler cette malice ou malédiction, apportant de la lumière là où il y avait auparavant des ombres. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que le monde spirituel et le monde physique ne sont pas déconnectés. Ils sont interconnectés, et ce qui se passe dans l'un peut influencer l'autre. Il y a des signes clairs et évidents lorsqu'une personne est la cible d'une attaque spirituelle. Malheureusement, beaucoup de gens croient à tort que la foi et la prière suffisent à se protéger de ces attaques. Cependant, la réalité est que les forces négatives, ou l'ennemi, attaquent ceux qui sont destinés à vivre des victoires, les élus de Dieu. Vous êtes l'un de ces élus de Dieu parce que vous portez une immense lumière en vous. Cette lumière est votre force, votre foi, votre espoir. L'ennemi, qui est des ténèbres, a pour objectif d'éteindre cette lumière. Mais il n'y parviendra pas. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 8 que Jésus s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, symboles des forces négatives. Aujourd'hui, nous allons prier pour que nous marchions vraiment sur les serpents et les scorpions et que tout mal soit éliminé de votre maison, de votre famille et de votre mariage. Maintenant, je vais partager avec vous 3 signes pour vous aider à identifier si vous faites face à une sorte de travail de l'ennemi dans votre relation. Le premier signe de sorcellerie ou de malice contre une relation est la perte de volonté de l'un de se lier à l'autre. C'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Cela peut être vu lorsque les gens rêvent de leurs ex-petits amis ou ex-conjoints, même lorsqu'ils sont dans de nouvelles relations. Cela peut être un signe qu'il y a des gens qui n'acceptent pas votre relation actuelle. Cela peut être un ex-partenaire qui a encore des sentiments pour vous ou quelqu'un qui est jaloux de votre relation actuelle. Le deuxième signe est le manque de joie à être à la maison ou à profiter de moments à deux ou en famille. La personne peut complètement changer lorsqu'elle est à la maison, ne prêtant pas attention à son partenaire et inventant toujours quelque chose à faire à l'extérieur. Ce comportement est un signe clair de déconnexion et peut indiquer que la personne est influencée par des forces négatives. Le troisième signe est l'irritation excessive pour des choses petites et banales. La personne peut devenir grossière avec juste une question ou un commentaire, et peut même dire des jurons ou des mots dans le but de blesser ou de vous faire sentir mal. Ce comportement est un signe que la personne est sous une grande pression et peut être influencée par des forces négatives. Si vous remarquez un ou plusieurs de ces signes dans votre relation, je vous demande de prier avec moi. Par le pouvoir de la prière, toute action de l'ennemi sera réprimée et il sera vaincu. La prière est une arme puissante qui peut changer des situations et apporter la paix là où il y avait auparavant des conflits. Rappelez-vous, l'objectif de l'ennemi est de détruire la vie des gens. Mais aujourd'hui, vous verrez l'action de Dieu dans votre vie. Il va écraser et défaire toute œuvre qui essaie de vous séparer. Dieu transformera toute malédiction dans votre vie en bénédiction. S'il y a quelque chose de mal sur vous, cela sera brisé aujourd'hui. Tous les liens dans ce domaine seront brisés et tomberont à terre. Enfin, je veux vous encourager à continuer à prier et à ne pas rompre votre engagement. Partagez cette bénédiction avec d'autres personnes afin qu'elles puissent également recevoir la libération et la victoire de Dieu dans leur vie. Dieu est avec vous et je suis sûr qu'avec le pouvoir de la prière d'aujourd'hui, tout ce qui vous empêche d'être heureux tombera à terre. Vous remarquerez un changement significatif dans votre vie. Si vous le pouvez, écoutez à nouveau ce message et recevez à nouveau cette prière. Que Dieu vous bénisse. Et je veux aussi vous transmettre un message sensible au temps de la lune pour vous, qui doit être entendu aujourd'hui. Une énergie subtile mais puissante vous soutiendra pour prendre une décision critique d'ici la fin de la semaine. Tapez 1111 pour accepter et ne pas manquer le prochain message, qui est très important. J'espère que chaque mot a touché votre cœur et que vous avez trouvé de l'inspiration et du réconfort dans nos messages d'amour et d'espoir. Souvenez-vous toujours que vous n'êtes pas seul dans ce voyage, et qu'il y a une force supérieure qui prend soin de vous à chaque étape du chemin. Que ces mots résonnent dans votre âme, apportant la paix et le confort dans les moments de tribulation. Maintenant, il est temps de porter cette flamme de foi et d'amour dans le monde, la diffusant à ceux qui en ont le plus besoin. Partagez ces messages avec vos proches, apportez de la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité et soyez un agent de changement positif. Restez avec Dieu et jusqu'au prochain moment de foi, de paix et de confort. Amen.